En Argentine, l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner a été inculpée ce mardi dans une affaire de corruption. Le juge a ordonné le gel de ses biens évalués à l'équivalent de 600 millions d'euros. Cristina Kirchner est soupçonnée de favoritisme dans l'octroi de marchés publics du temps où elle était présidente. Elle a dirigé le pays entre 2007 et 2015, succédant à son mari Néstor Kirchner, qui fut président de 2003 à 2007. La justice veut savoir si Cristina Kirchner a effectivement agi pour favoriser les activités d'un de ses amis, Lázaro Báez, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le BTP pendant les trois mandats du couple Kirchner. Lui-même a été arrêté en avril. Il est accusé de blanchiment d'argent. Réagissant à son inculpation, Cristina Kirchner a dénoncé, je cite, « une formidable manœuvre de persécution politique ».